Nicolas, match nul aujourd'hui un partout contre le FC Chapouze. Vous avez très très bien commencé le match et puis il y a eu ce but vraiment en contre-attaque. Ouais, très bien commencé ce match, mais on a fait quand même une mauvaise première mi-temps, je pense. On doit faire beaucoup mieux et puis voilà, on peut perdre 2-0 à la mi-temps. Donc on a cette chance de rentrer au vestiaire juste avec un but d'écart. Et voilà, en deuxième mi-temps, on a su profiter de leurs petites erreurs pour récolter au moins un point. C'est vrai que la deuxième mi-temps s'est finie sur un rythme vraiment pas très glorieux. Qu'est-ce qui s'est dit au vestiaire puisque vous êtes arrivé en deuxième mi-temps avec énormément d'énergie et puis il y a ce but qui est tombé très rapidement? Ouais, on s'est dit les choses clairement, c'est qu'on n'était pas dedans. Et c'est clair qu'on ne peut pas espérer emporter les trois points en faisant une première mi-temps comme ça. Donc voilà, on a su profiter de, comme j'ai dit, leurs erreurs, qu'ils ne nous ont pas tué le match plus tôt, pour continuer sur notre série sans défaite. La semaine prochaine, évidemment, c'est le derby, c'est le match que tout le monde attend. Comment est-ce que vous allez préparer ce match moralement? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, c'est un match comme les autres. Maintenant, la motivation, elle doit être là pour tout le monde, sans forcément forcer. Donc voilà, on va expliquer aux nouveaux arrivés ce que c'est ce match particulier pour nous et pour les supporters. Et puis voilà, ces matchs-là, il faut rien d'autre que la victoire. Et pour les supporters, un petit mot pour les faire venir à Genève vous soutenir? Ouais, ben c'est comme on dit, c'est le derby pour nous, c'est le match de la saison, donc on espère qu'ils vont venir en nombre. Très bien, merci beaucoup.